Et chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose en nous. Et quand nous expérimentons ce semblant de gloire-là, au travers d'une relation sexuelle, nous arrivons à faire ce que Dieu fait quand il est avec nous, c'est-à-dire communiquer ce que nous avons de meilleur à celui qui nous fait du bien. Alléluia. Et c'est à ça que sert le mariage. Le mariage est aussi cette plateforme-là qui a été créée par Dieu pour symboliser la relation entre Jésus-Christ et son épouse. Le mariage, ce n'est pas quand on va au restaurant. Le mariage, ce n'est pas quand tu cours après une femme, etc. Le mariage, ce n'est même pas quand tu fais ta confession de foi, que je te jure fidélité, etc., devant le maire ou devant le pasteur. Le mariage est scellé lors des noces. Quand monsieur et madame se retrouvent seuls dans leur lit après le mariage et commettent l'acte sexuel pour la première fois ensemble. Alléluia. Et c'est un plaisir que Dieu a réservé uniquement pour les mariés. Toute personne qui accomplit l'acte sexuel en dehors de la plateforme du mariage participe au système de la bête. Tu me suis? Si tu me suis fait comme ça. L'adoration de la grande prostituée. L'esprit du monde est caractérisé par la débauche et l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. L'esprit du monde, c'est le système qui est construit sur l'impudicité et mis en place par Satan pour détruire les saints, la postérité de la femme à la couronne de 12 étoiles. Adorer la bête, c'est embrasser son esprit. Et son esprit, c'est l'impudicité. Quelqu'un me dira, pasteur, jusqu'ici, je ne comprenais pas ce que ça veut dire adorer la bête. Maintenant, tu comprends. Toute personne qui commet l'acte sexuel hors mariage adore la bête. Toute personne qui est saint, qui a donné sa vie à Jésus, ou même qui ne connaît pas Jésus, et qui dit, moi, cette histoire de la parole de Dieu où il faut se consacrer, et où il ne faut pas coucher, etc., laisse-moi ça. Je couche si je veux coucher. Pour X ou Y raison, cette personne, quand elle fait ça, elle accepte d'adorer la bête et d'être marquée. Le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire croire que l'histoire du marquage là, ou de la puce dans la main droite là, c'est quelque chose obligatoirement qui sera physique, qu'on devra voir de nos yeux. Bien-aimés, on est en plein dedans. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont assis dans l'église et ne savent même pas qu'ils sont déjà marqués du 666. Ils ne le savent même pas. Beaucoup, vous êtes là et vous avez déjà été marqués. Et quand vous commettez l'impudicité, vous venez à l'église, vous adorez le Seigneur, vous demandez pardon pour certains. Pendant ce temps, la grande prostituée, elle est en train de se rire. Elle dit, regarde-moi cela. Ils m'aiment. Pourquoi ils m'aiment? Parce qu'ils font ce que je leur demande de faire. Ils commettent l'impudicité. Ils ne veulent pas se marier pour pouvoir être légal devant Dieu. Ils trouvent toutes sortes de raisons pour discuter la parole de Dieu, pour contredire la parole de Dieu, pour résister au commandement de Dieu. Ils refusent de se marier. Par contre, ils couchent. Ils acceptent d'être marqués du 666. Ils sont marqués. C'est pour cela qu'il est simple de leur dire, vous irez en enfer. Car iront en enfer ceux qui seront marqués de la bête, du signe de la bête. La grande Babylone. Dis avec moi la grande Babylone. Celui qui commet l'impudicité, celui qui adore la grande prostituée et participe à son règne. Dis avec moi l'adoration de la grande prostituée. Donc chaque fois qu'un témoin de Jésus tombe dans l'impudicité, le ciel est dans un grand étonnement. Pourquoi ça étonne les anges? Parce que les anges disent, mais voilà quelqu'un qui a déjà lu la Bible.
il connaît la Bible, il va à l'église et il va commettre l'impudicité. Les anges disent, yi! Parce que les anges, il n'y a pas mieux pour craindre le Seigneur. Eux, ils craignent l'Éternel. Hein? Ils savent, eux, ils ont déjà vu Dieu à l'œuvre. Ils ont déjà assisté à deux jugements, comment Dieu a balayé la terre. Ils disent, mais les gars là, les êtres humains là, les deux leçons là sont là, pas suffit. Hein? Et il continue. Sauf que là, Dieu a dit, quand il a fait le deuxième déluge, il a dit à Noé, je me repens du mal que j'ai fait aux êtres humains et plus jamais je ne ferai ça. Par contre, je réserve la gêne. Donc, je leur laisse le choix maintenant. La vie, ce sont des choix qu'on fait. Si tu fais le choix de ne pas te marier et d'avoir des relations sexuelles, soi-disant tu ne résistes pas, c'est Dieu, pasteur, tout ça là, ce ne sont que des raisons et des excuses que tu donnes. On est en plein dans Babylone. Il y a des gens qui tellement ont soif de pouvoir et de position sociale, entrent dans des sectes, des réseaux ésotériques, entrent dans toutes sortes de choses. Plein de choses, ils rentrent dedans. Ils ont tellement soif et convoitent tellement de choses qu'au bout d'un moment, même si on leur a déjà proposé de l'argent et toutes sortes de choses, il y a toujours un moment où on leur dit, pour sceller ton choix là, couche. Parce que le sexe vient sceller une alliance et ton engagement dans la chair. C'est-à-dire, le fait que tu es couché là, tu ne peux pas oublier que tu t'étais engagé. Parce que c'est entré dans ta chair. Alléluia. C'est ça, adorer la bête, adorer la grande prostituée. Donc le sexe est l'instrument suprême utilisé par la grande prostituée pour faire tomber les saints. C'est l'arme la plus puissante du diable pour détruire les saints et voler la gloire qui est en eux. Les saints sont des transporteurs d'un trésor. Ce trésor, c'est l'esprit de gloire qui est en eux. Et quand un saint va commettre l'impudicité, ça, quand le Saint-Esprit m'a montré ça, dis avec moi le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, le grand sacrificateur ne rentrait là-bas qu'une seule fois dans l'année, au Yom Kippour des Juifs. Il rentrait là-bas une seule fois. Et quand il rentrait là-bas, il devait adorer, juste adorer. Et quand il entrait là-bas, avant d'entrer, on l'attachait avec une corde qui allait derrière. Et les autres sacrificateurs étaient déjà prêts à le tirer. Au cas où le gars, on se rendait compte qu'il était en train de mourir. Parce que quand il était exposé à la gloire pouvait le tuer. Et il ne pouvait pas s'amuser de rentrer là-bas avec le péché. Il ne pouvait pas. Il se préparait pendant des mois. Il se sanctifiait. Parce que devant la gloire, c'est soit tu meurs, soit tu es couché en train d'adorer. Alléluia. C'est pour ça que quand Salomon a inauguré le temple, les sacrificateurs étaient obligés de sortir. Ils ont dit, papa, le niveau là, on est obligé de sortir. Il y en a qui sont là à l'église, quand on arrive à un niveau intense d'adoration, ils se lèvent, ils sortent. Ils disent, ça là, je ne peux pas rester ici. C'est trop fort pour moi. Et quand l'homme et la femme mariés sont en train de coucher, il y a différents niveaux dans la relation sexuelle. Il y a des fois où ils vont coucher, ça va durer 5 minutes. C'était juste un petit plaisir, ça a duré 5 minutes. Ils ne sont pas allés très loin dans le tabernacle. Il y a des fois où ça va prendre un peu plus de temps et le plaisir va être plus fort. Ils sont rentrés dans le lieu saint. Mais la fois où vraiment c'est fort, papa, c'est quand ils entrent dans le lieu très saint. Et quand ils entrent dans le lieu très saint, l'homme, dis avec moi l'homme. L'homme est celui qui symbolise le grand sacrificateur. Il entre dans le lieu très saint où il y a l'arche de l'alliance et les chérubins. Et il vient déposer sa semence sur l'arche, c'est-à-dire il dépose sa vie sur l'arche, sur le lieu de la gloire. Et quand il dépose ça, c'est une offrande qu'il fait au Seigneur. La femme représente le Saint des Saints.
C'est elle qui est la gardienne de l'arche. C'est elle qui est la gardienne de la gloire. C'est pour ça que la femme est spéciale. Et quand l'homme entre et qu'il vient déposer sa semence, sa vie sur l'arche, c'est comme une offrande qui monte au Seigneur. Et quand le Seigneur approuve, il libère, il bénit. Et cette bénédiction parfois peut se matérialiser par un enfant. C'est pour cela que la relation sexuelle entre l'époux et l'épouse, c'est trop important, c'est trop crucial. Et quand un époux sort volontairement de la relation qu'il a, de l'alliance qu'il a avec son épouse, et va coucher dehors, il commet l'abomination dehors, l'immoralité sexuelle, il revient souillé dans sa maison, il revient coucher avec sa femme. C'est comme si c'était Satan en personne qui rentrait dans le temple de l'Éternel et qui venait souiller le Saint des Saints. Et quand s'il fait ça, Dieu dit, il n'y a pas pire péché que l'adultère. C'est pour cela que quelqu'un qui commet l'adultère, vaut mieux qu'il demande pardon à Dieu. Vaut mieux. Parce qu'il a commis un acte vraiment abominable. Mais heureusement, Dieu pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Chaque enfant de Dieu possède en lui ce trésor. Et les femmes, leur trésor à eux, ce sont les gardiennes de la gloire. C'est pour cela que, question sexe là, Satan en veut plus à la femme. Parce qu'elle est le temple. L'homme, il est le sacrificateur. L'homme peut facilement changer de femme. Si une femme ne lui plaît plus, il va dire, je divorce, je m'en vais. Et puis facilement, il va se remettre avec une autre femme. Parce que lui, son plaisir se limite beaucoup au physique d'abord. Mais la femme, quand elle a été avec un homme, c'est difficile pour elle de retourner avec un autre homme. Parce que ce temple-là qu'elle est, elle a du mal parce qu'elle avait consacré un sacrificateur pour ce temple-là. Et pour pouvoir trouver un autre sacrificateur qui va être digne d'entrer dans le Saint des Saints, vaut mieux qu'elle prenne son temps. Elle est le temple. Elle transporte la gloire. C'est pas n'importe qui la femme. Elle transporte la gloire. Vous pensez que Jésus-Christ s'entourait de femmes, pourquoi? Parce qu'il connaissait ces mystères. Il savait que ces femmes-là, elles étaient spéciales. Alléluia. Regarde ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, au verset 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dis avec moi, j'ai une puissance en moi. J'ai une puissance en moi. Ouais. Et Satan, ou encore la grande prostituée, Babylone la grande, ils connaissent ces mystères-là. C'est pour cela que la grande prostituée, elle n'en a rien à faire des païens. Le païen, ce sont des esprits morts. C'est leur garde-manger. Mais quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création. Son esprit est revenu à la vie. Et la Bible nous dit qu'il a été régénéré. Et il est redevenu à l'image de Dieu. L'esprit de gloire est maintenant avec lui. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Celui qui est en communion avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire quand le diable voit ça, il voit la gloire. Et quand il voit un saint, il dit, ça là, je veux ça. Et quand il veut ça, il sait qu'un saint qui se sanctifie, il ne peut pas le toucher. Voilà pourquoi tous les grands péchés dans la Bible sont toujours liés au sexe. Parce que Satan sait que si j'amène le saint à tomber dans le péché sexuel, quand il va libérer la semence là, il va libérer la gloire. Et c'est là que je peux prendre tout ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est pour cela que quand Abimélec
viens voir Balaam. Abimelech connaît ça. Abimelech était un envoyé de Satan. Il voit Jacob, Israël. Et il voit que le peuple se sanctifie. Il voit qu'il ne peut rien faire. Il est obligé d'appeler Balaam pour dire, prophétise le malheur sur eux. Balaam veut prophétiser. Il dit, je ne peux pas prophétiser. Le peuple est béni. Il retourne voir Dieu 2 fois, 3 fois. Et après, il revient. Et la doctrine de Balaam, c'est quoi? La doctrine de Balaam, c'était de s'infiltrer parmi le peuple et d'amener les fils d'Israël à coucher n'importe comment. Et quand ça s'est arrivé, le diable est entré et a frappé Jacob. D'ailleurs, ce n'est même pas le diable qui a frappé directement Jacob, c'est Dieu lui-même qui a frappé Jacob. Parce que quand le péché sexuel devient trop grand, Dieu ne peut plus résister parce qu'il est saint. Il est obligé de juger. Pareil avec Sodome et Gomorre, qui commettait l'acte sexuel à un niveau tellement intense que Dieu lui-même a été obligé de descendre pour dire « Je finis avec une fois. » Le péché sexuel. Dieu ne blague pas avec ça. Je te dis qu'à la fin de ce culte-là, tu vas prendre la décision de te sanctifier. Dis avec moi la persévérance des saints. Donc les saints, ce sont ceux à qui Satan a signé l'Indien. Il a juré qu'il va faire la guerre à l'église. Il a juré qu'il va s'infiltrer dans l'église pour voler la gloire. Et les démons, quand ils entrent dans une église, tout le monde n'a pas le même niveau de gloire. Plus tu es mature spirituellement, plus tu es proche de Dieu et plus tu resplendis de gloire. Plus ta vie entre dans la révélation de la personne de Christ, plus tu resplendis. Et quand les démons voient ça, ils voient une lumière qui brille. Si tu es encore bébé spirituel, ta lumière ne brille pas beaucoup. Mais quand tu as grandi, c'est pour ça que les esprits des mères, quand ils viennent, souvent, ils vont toujours viser l'autel, les hommes de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est celui qui a atteint un niveau dans la connaissance de Dieu très élevé. Et la gloire en lui a beaucoup grandi. Mais comme il est mature et il a la connaissance, tu ne peux pas l'avoir n'importe comment. Donc Satan va utiliser la séduction pour le faire tomber. Et le ciel fut dans un grand étonnement. Dis avec moi la persévérance des saints. Les saints ont reçu une seule instruction de la part de Dieu, le temps qu'ils sont là sur la terre. Résistez, tenez ferme, persévérez dans la foi en qui, en Jésus-Christ, persévérez. La persévérance des saints est de rester dans la grande Babylone et de ne pas se souiller jusqu'à leur retour à la maison. Parce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'un jour, il va repartir au ciel. Et il faut qu'il aille en s'étant sanctifié. Donc la vie sur la terre est une vie de consécration à notre seul époux Jésus-Christ. Donc, il sait que la sanctification est ce qui est prioritaire pour lui. Parce qu'il sait que s'il viole la loi de la sanctification, Satan entre dans sa vie et peut le tuer. Le saint, c'est celui qui est mature spirituellement et qui sait que nous sommes en guerre avec Satan et que nous sommes dans un système, la grande Babylone, et il ne peut pas tomber dans l'impudicité. Tout sauf l'impudicité. Il ne peut pas. Parce que quand l'impudicité entre, toutes les murailles tombent et tu es exposé. S'il y a bien un péché qui fait honte quand tu es exposé sur le péché sexuel. On a vu des grands hommes politiques qui avaient accompli des exploits, mais qui sont tombés avec des femmes. Et c'était gravissime. Des chefs d'État, etc. Comment un chef d'État qui a changé toute une nation juste parce qu'il a couché avec une secrétaire, c'est tout ce qu'on retient dans son CV. Pourquoi? Parce que le péché sexuel, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie d'une personne. Alléluia. Regarde ce qui est écrit dans Apocalypse 13, 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Il a encore dit, Apocalypse chapitre 14, au verset 12, c'est ici la persévérance des saints.
qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dis avec moi, garder les commandements de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que ceux qui gardent mes commandements, ce sont ceux qui m'aiment. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est parce qu'il répète dans Jean, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les vrais saints, ceux qui sont vraiment en Jésus-Christ, ils gardent les commandements de Jésus. Ils ne se laissent pas séduire par la grande prostituée. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils savent qu'ils sont là pour un temps, pour accomplir leur destinée, accomplir ce que le Seigneur a prévu pour eux, et après ils s'en vont, tout en laissant un héritage à leurs enfants derrière. Mais ils ne se laissent pas corrompre par le système. Ils sont prêts à tout perdre, mais jamais ils vont perdre leur dignité en Jésus-Christ. Jamais. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. La persévérance des saints. Les saints qui persévèrent dans la foi ne cèdent pas à l'impudicité. Ils savent que le système, c'est celui de la bête. Et le système en question a été créé pour séduire les habitants de la terre. Pourquoi il a été créé? Parce que Satan n'a qu'un seul objectif. C'est amener tout le monde à la perdition éternelle. C'est le seul objectif du diable. Il veut emmener le maximum. Beaucoup de gens ne sont pas éclairés spirituellement et passent leur temps à raisonner, à discuter les commandements de Dieu. Et c'est ce qu'il y a de pire. Commettre le péché sexuel et pense que Dieu comprend, que Dieu va pardonner. C'est le temps de la grâce. Tu joues, hein? Joue pas. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ne joue pas avec le péché sexuel. Les femmes, parce que vous êtes conscientes que vous êtes le temple de Dieu qui transporte le Saint des Saints, ne permettez jamais qu'une femme dise avec moi, jamais, jamais, qu'un homme entre alors qu'il n'est pas le sacrificateur avec qui vous avez tissé une alliance pour le mariage. Amen. Jamais. Ne permettez jamais ça. Si vous avez déjà commis cette erreur au passé, prenez l'engagement devant le Seigneur. Seigneur, je ferme les portes. Aujourd'hui, c'est fini. Personne ne rentre. Je me consacre au Seigneur. Et celui qui rentrera, ce sera mon époux. Et personne d'autre. Et les hommes, parce que vous savez que vous aussi vous transportez la vie et que ce que vous transmettez est précieux, prenez l'engagement de ne pas le déposer n'importe où. Votre semence, c'est la vie. Il n'y a rien de pire pour un homme. En sortant de l'école ou du boulot, il a été tenté sexuellement par une petite. Il va y coucher avec elle, pensant que ce qu'il avait fait était tout à fait normal. Il s'en veut un petit peu s'il est chrétien. Et après, il dit, j'oublie. Et quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, la jeune femme revient en disant, je suis enceinte d'un enfant de toi. En général, ça ne lui procure pas beaucoup de joie. Pourtant, cette nouvelle est censée procurer de la joie à un homme. Mais ça ne lui procure pas de la joie. Il voit ça plus comme une erreur et un poids et un fardeau. Et s'il est inspiré de la grande prostituée, il va encourager la jeune femme à aller avorter. Ça, c'est encore une abomination. Et s'il décide de garder l'enfant, il va le garder malgré lui. Mais il y aura toujours un coin dans son cœur, il va dire, c'était une erreur. Et il va devoir prendre sur lui pour pouvoir aimer malgré tout l'enfant. Pourtant, ce n'était pas un enfant désiré. Mais gloire à Dieu pour les enfants non désirés. Parce que même pour un enfant non désiré, Dieu a des plans. Parce que Dieu, dans sa grâce, tient compte des erreurs des êtres humains pour pouvoir accomplir ses plans à lui. Ouais. Alléluia! La persévérance des saints. Les saints sont conscients qu'ils ne peuvent pas vaincre le système de la bête. Seul Jésus-Christ
peut vaincre le système. Nous, on ne peut pas. Le système est trop puissant. Tu ne peux pas vaincre ce système qui est bâti sur le sexe. Tu ne peux pas. Tu dois juste attacher la ceinture et tenir ferme jusqu'à la fin de ta vie. Tant que tu seras sur cette terre-là, tu seras tenté tout le temps. Mais tu devras jurer fidélité à ton épouse et à ton époux. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de vaincre le monde. Il a dit, en ce qui vous concerne, vous, une seule chose vous permet de vaincre le monde, votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la foi, vous avez vaincu le monde. Eh bien, par la foi, vous avez tenu ferme. C'est ça que ça veut dire. Mais vaincre le monde physiquement. Jésus-Christ dit, ça c'est moi. C'est moi qui viendra. Et la Bible dit qu'avec sa bouche, comme un feu qui sort de sa bouche, il pètera les nations et il détruira le système de la bête. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des tentations sexuelles, des propositions indécentes de secrétaires, toutes sortes de choses dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la bête. Mais cette victoire viendra être matérialisée à mon retour. En attendant, prenez soin de vous. Tenez ferme et sanctifiez-vous. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connecté à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.